أبينا
Thank you.
Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Toi, femme du marché. Il est Moussam Beloralam. Toi, tu es ici au marché. Am Beloralam. Toi, tu as un problème. Il est problème différent. Toi, tu as mari de nuit. Il est Moussam, tu as vite souffert. Toi, tu as mari de nuit. Tu as un mec qui a mis un souffert. Quand tu dors. Ni veste noir. Quand tu dors. Ni veste noir. Il y a quelqu'un en noir. Ou bien il prend visage de quelqu'un. Et puis il vient coucher avec toi. C'est lui qui peut te libérer. Son nom c'est Jésus-Christ. C'est lui qui peut te délivrer. De mari de nuit. Son nom c'est Jésus-Christ. Regarde, depuis que tu enlèves maintenant. Et cet esprit est venu coucher avec toi. Tes règles ne viennent plus comme avant. Ta monstrue ne vient plus comme avant. Et quand ça vient, ça te fait mal. Tu as mal. Tu as mal. Mais il y a un docteur pour ça. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Ce n'est pas un marabout. Ce n'est pas un féticheur. Mais celui-là qui peut te libérer. Et celui-là qui peut te guérir. Son nom c'est Jésus-Christ. Alors ce soir, nous t'invitons à venir participer à ce programme de prière à la place publique. À la place publique. À la place de la République. À la place de la République. Mais en face de la mairie. En face de la mairie là. Ce soir à 18h. Toi tu as problème. Mais nous ne pouvons plus là. D'autres spirituels. Donc lui là. Et les démons se fatiguent. Laisse-moi te dire mari de nuit. C'est un démon. Marie de nuit. Marie de nuit. C'est un démon. Celui-là qui peut le chasser. Son nom c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ s'en fout. Jésus-Christ à ma côté. Si tu es musulman. Si tu es catholique. Si tu es évangélique. Si tu es animiste. Toutes ces choses. Pas venu ce soir. Le Seigneur Jésus veut te guérir. Il veut te délivrer. Toi tu es malade. Ce soir. Le Seigneur Jésus t'appelle. À venir participer. À ce grand programme. Oh, ce programme. À la place de la République. En face du en face de la mairie. Ce soir à partir de 19h. À la place de l'indépendance. À la place de l'indépendance. Ce soir à 19h. Vous comprenez que nous ne sommes pas de Korogo. Mais Jésus nous envoie ici. Il dit il y a ses enfants ici. Qui sont malades. Qui ont un problème. Venez ici à Korogo. Invitez tout le monde. À venir participer. On te poursuit en rêve. Quand tu rêves, on te poursuit en rêve. Ce soir, celui-là qui peut t'empêcher, celui-là qui peut empêcher, les chiens, les démons, ou bien Dieu qui te poursuit là, son nom c'est Jésus-Christ. Alors ce soir, nous t'invitons à venir participer à ce programme à la place de l'indépendance. Aujourd'hui à 19h, si tu as ta soeur, si tu as ton frère, si tu as ta maman, quelqu'un
quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'entend pas, lui qui peut guérir, son nom c'est Jésus. Regardez ici, on a remarqué qu'il y a Corogo, qu'il y a beaucoup de motos. Mais quand une moto tombe en panne, il va chez le garagiste. Et quand le garagiste fait le diagnostic, quand il regarde, s'il a vu que c'est une bougie qui est gâtée, il va directement dans une boutique où on voit les pièces de rechange et il change la pièce. Mais laisse-moi te dire, celui qui a créé le corps humain, il a les pièces de rechange et son nom c'est Jésus-Christ. Alors toi tu es malade, quel que soit ta maladie, tu allais partout, tu n'as pas trouvé de solution, tu allais chez les marabouts, tu te donnais des potions, tu t'es lavé avec cela, tu es parti au Carrefour casser des mamites, tu allais au Carrefour faire des sacrifices de poulet, mais tout ces choses viennent à marcher. Laisse-moi te dire en réalité, le marabout, le féticheur, il ne travaille pas pour Dieu, mais il travaille pour le diable. Alors c'est pourquoi rien ne peut aller. Mais celui-là qui peut te délivrer du mari de nuit, de l'œuvre de la sorcellerie, son nom c'est Jésus. Alors ce soir, il ne faut pas dire que non, moi je suis musulman. Il ne faut pas dire que moi je ne suis pas dedans. Mais Jésus qui t'a créé, t'invite ce soir, à partir de 19h, à la place de l'indépendance, bien le Seigneur veut te guérir. Tu es jeune. Tu es jeune. Quand tu fais le commerce, ou bien quand tu gagnes de l'argent, l'argent ne tue pas. Pourtant tu as fait des projets, mais une fois que tu gagnes l'argent, l'argent a fini dans ta main et tu ne sais pas comment tu as fait. Laisse-moi te dire, c'est l'œuvre de la sorcellerie et celui-là qui peut te libérer, son nom c'est Jésus-Christ. Alors toi tu as les mêmes personnes. Tu as les mêmes personnes. C'est pourquoi quand tu gagnes de l'argent, l'argent ne tue pas dans ta main. Toi, femme, toi, jeune fille, toi, tu te retrouves dans cette situation. Ce soir, Jésus t'invite à participer à ce programme. Tu n'as rien à payer. C'est gratuit. Le Seigneur a besoin juste de ta présence. Alors il faut venir. Le Seigneur va te guérir. Tu n'as pas payé. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu as un problème. Il a un problème bilan. Tu as un problème d'Eli. Il a un problème bilan. Allez, bilan. Toi, tu as un problème de fibrone. Un fibrone bilan. Toi, tu as un problème de kiss. Kiss bilan. Ou bien tu fais, tu es avec ton mari. Il a dit, tu avec ton père. Et tu n'as pas une femme stérile. Et oui, voilà, comme vous êtes stérile. Tu n'arrives pas à faire d'enfant. Oui, il va se faire stérile. Et on dit, ton ventre, c'est votre cimetière. Et puis, quand il est stérile, bien aimé. Encore. Le, ce soir, le Seigneur Jésus t'invite. À venir participer. Jésus veut te guérir. Il va enlever la malédiction sur toi. Et tu vas enfanter. Maintenant, bien-aimé, toi, tu veux la protection. Il a une protection, père. Laisse-moi te dire la véritable protection. Mais c'est tout mon Jésus-Christ. Le feu ne protège pas. Le feu ne protège pas. Regarde, c'est avec le feu là. Quand ils ont pris le feu protège électrique. Le feu ne protège pas. Alors, celui qui peut te protéger, son nom c'est Jésus-Christ. Alors, nous t'invitons ce soir à ce programme d'évangélisation. Viens, Jésus va te libérer et il va te donner la véritable
protection. La véritable protection. C'est Jésus Christ. Laisse-moi te dire. Derrière les bagues. Derrière les bagues de protection. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. Derrière les bagues que tu portes. Derrière les bagues que tu portes. Les bagues de protection. Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Alors si Dieu n'est pas derrière les bagues, qui est dedans alors? Les bagues de protection. C'est pourquoi en vérité, en vérité. Les bagues de protection ne viennent pas de Dieu. Et celui-là qui te donne les bagues de protection, il ne travaille pas pour Dieu. Celui-là qui peut te délivrer et qui va te donner la vie éternelle. Son nom c'est Jésus Christ. Alors toi tu es malade. Oh, toi tu as un problème spirituel. Toi tu as un sérieux problème. Toi tu es fatigué. Ce soir nous t'invitons à venir participer à ce programme à la place de l'indépendance. Ce soir 19h. Bien aimé, toi tu as ton père, tu as ta mère. Et ton commerce ne marche pas.
pas te dire. Et tu allais voir les marabouts. Il serait sur la morceau là. Laisse-moi te dire. Ma fouillera. Le fait que tu allais voir les marabouts. Il serait sur la morceau là. Tu allais te confier au diable. Il serait sur la morceau là. Et tu n'es pas d'accord avec ça. Ma tête est là. Dieu ne veut pas que tu le fasses. Ma tête est payée du cœur. Alors ce soir. On compte pas finir. Et maintenant aujourd'hui. On compte pas finir. Tu es devenu esclave de ce marabout. Il serait sur la morceau là. Tu es obligé d'aller faire des sacrifices. Mais laisse-moi te dire. Ma fouillera plus. Viens ce soir. Non, oui, attends, non. Le Seigneur veut te libérer. Ma femme va qu'il faut dire. Le Seigneur veut te délivrer. Avec un qui ministre. De l'esprit de la sorcellerie. Il faut que la parce que les marabouts. Qui va souper. Les marabouts. Qui va carrément se faire. Sont des sorciers. Qui est souper. Regarde. Ma flèche. Au ciel. Regarde au ciel. Samuel. Il y a une guerre au ciel. Et quelle est la Samuel là? Et les démons, Dieu a jeté les démons. Malaka, ni tu ou plus de moi. Ils sont tombés. Et pour la Samuel là, ce sont ces démons là. Et pour ni tu ou ils sont tombés dans la forêt. Dans la du pendant. Ce sont ces démons là. Et pour ni tu ou ils sont tombés dans l'eau. Dans la du là. Ce sont ces démons là. Et ni tu ou ils sont tombés dans les montagnes. Dans la du là, ce sont ces démons. Qui sont restés au premier ciel. Ce sont ces démons. Qui sont restés au deuxième ciel. Ce sont ces démons. Qui sont restés sur les pierres. Et les hommes. Lorsque l'homme aussi a péché. Et qu'il a été chassé de la présence de Dieu. Ils ont commencé à adorer ces esprits. Ils ont commencé à adorer ces esprits. Mais Dieu a trouvé une porte d'issue pour toi. Mais tu as trouvé une solution pour toi. Alors ce soir, il t'invite à venir participer à ce programme. Il va te donner la solution. Il va te donner la guérison. Car ces cailloux qu'on adore, car ces forêts qu'on adore, les bois qu'on adore, ces rivières qu'on adore, ce sont des démons qui sont dedans. Il n'y a pas de démons qui sont gentils. Il n'y a pas de démons qui sont pas gentils. Tous les démons. Tous les démons. Ils veulent une seule chose. Que tu sois jeté en enfer. Alors les démons. Que vous appelez les djinns. Les démons. Que vous appelez les djinns. Il n'y a pas de démon qui est gentil. Si le démon te possède, ce qu'il veut de toi, il veut prendre ton âme, il veut saisir ton âme et te jeter tout droit en enfer. Alors ce soir, nous t'invitons à participer à ce programme de prière, de guérison, de délivrance. Toi tu as problème, toi tu te masques. Il a dit il fallait te malheur. Toi qui te masturbes. Il a fallait te malheur. Et tu trouves ton plaisir dans la masturbation. Tiens, sur là. Laisse-moi te dire. Dieu n'aime pas cela. Alors pour être délivré. Viens ce soir. Le Seigneur va te libérer. De la masturbation. Il va te libérer. De l'esprit de la honte. Alors ce soir. Ne reste pas à la maison. Viens. À la place de l'indépendance. Ce soir, à partir de 19h, toi tu es malade. Toi tu n'entends pas. Il est américain. Toi tu ne parles pas. Il est papa. Toi tu as des problèmes au ventre. Il connaît tous les bilans. Tu as des fibromes. Fibromes. Tu as des kisses. Kisses. Toi tu as un problème. Quand tu dors, tu as peur de dormir. Garde dans ton sommeil. On vient te poursuivre. Tu vois des chiens. Tu vois des chiens. Tu vois des bœufs. Tu vois des gens. Qui viennent te donner de la nourriture. Laisse-moi te dire. On ne mange pas en rêve. On ne mange pas en
rêve. Si tu te vois manger un rêve, c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est l'envoûtement. Pour sortir dedans, ce soir le Seigneur t'invite à venir participer à ce programme. À venir participer à ce programme. À venir participer à ce programme. Alors ce soir, à partir de 19h, à partir de 19h, viens maintenant. Viens, le Seigneur t'appelle à la place de l'indépendance. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Le Seigneur t'invite à participer à ce programme. Et tu vas prenez le chien, je vais le remettre, il y a des à partir de 19h, à la place de l'indépendance. Toi qui es malade, le Seigneur t'a vu ce soir. Quelle que soit la maladie que tu as, tu es allé voir n'importe qui. Tu es allé à l'hôpital. Tu es allé voir les marabouts. Tu es allé voir les marabouts. Tu es allé voir les tradis praticiens. Ils n'ont pas pu faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire, celui qui a créé le corps humain, celui qui a créé l'homme, il est descendu aujourd'hui à Corogo. Alors il t'invite à venir participer à ce grand programme. Il t'invite ce soir à partir de 19h à venir participer à ce programme. Toi, quand tu rêves, on te pousse un rêve. Tu vois des chiens qui te poussent un rêve. Tu vois des hommes qui sont morts. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, quand une fois qu'une personne meurt, c'est fini. Si tu rêves, quand tu vois ton parent rêve, c'est un que tu as vu. Si tu rêves, quand tu vois un membre de ta famille en rêve, c'est l'esprit de mort qui t'appelle. Toi tu rêves, quand tu vois tes parents en rêve, c'est l'esprit de mort qui t'appelle. Mais celui-là seul qui peut te libérer, mais celui-là seul qui peut te délivrer, ce soir à 19h, il t'invite à la place de la République. À la fin de l'indépendance. Ce soir, 19h. Ma bien-aimée, toi tu chantes des hommes. Comme on chante les vêtements, comme on chante les habits. Ce n'est pas normal. C'est l'esprit de la prostitution. Une femme, elle doit vivre avec un seul homme. Mais elle ne doit pas aller dans mon homme. Laisse-moi te dire. Toi, tu te retrouves dans ces choses. Oh, bien-aimé. Laisse-moi te dire. Celui-là qui peut te libérer. Celui-là qui peut te guérir. De ses esprits. Son nom, c'est Jésus-Christ. Alors, ce soir, à partir de 19h, à la place de l'indépendance, le Seigneur t'invite à venir participer. Toi, jeune homme, en réalité, le Seigneur ne t'a pas créé pour que tu aies des difficultés. Mais ces difficultés sont venues à cause du péché. Alors,